C'est quoi la franc-maçonnerie? En tout cas, selon les explications données par François Gondi, c'est une école qui prône la tolérance et la liberté. Le grand maître du Grand Orient de Brazzaville a également fait état des 50 ans d'indépendance du Congo par rapport à la franc-maçonnerie. Le reportage de Brinel Liwata. Notons la croissance qu'a connue le Congo pendant ses 50 ans d'indépendance. Ce grand maître n'a pas manqué d'apporter un commentaire sur la devise du Congo, à savoir unité, travail, progrès. Le budget de l'État a connu une augmentation vertigineuse. En 1960, il s'élevait à la somme de 7 milliards de francs CFA. Celui de 2010 s'élève à 2800 milliards. En 50 années, le budget de la nation a été multiplié par 400. Je vous invite à relire la devise de la République. Unité, travail, progrès. Une phrase de l'article 1er de la Constitution maçonnique. Elle dit ceci, je cite, « La franc-maçonnerie a été fondée pour réunir les hautes valeurs morales qui sans elle aurait continué de s'ignorer et pour être le centre de l'union. » Vous voyez bien que cette idée d'unité est une idée centrale pour la franc-maçon. En tant que franc-maçon du grand terrain du Congo-Brazzaville, donc franc-maçon congolais. Car, aux principes fondamentaux, nous avons ajouté notre déclaration des principes. Dans le dernier passage postule, je cite, « Votre destin est ouvert. » Il nous reste à penser la société, la République et à mettre en œuvre notre humanisme. Telle est notre aspiration. Fin de citation. La franc-maçonnerie participe à l'avancement de ce pays sur beaucoup de plans. Seulement, son caractère discret ne lui permet pas de faire étalage de ses réalisations. Citant le cas de la réussite des élections passées, François Gondi a promis la publication de leurs différentes réalisations pour la future génération. La franc-maçonnerie n'a qu'une arme, la pensée. Loin d'être un clan des sorciers, cette fédération des loges est une école qui apprend la tolérance et la liberté, a-t-il martelé. Le terme franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectif, dont le recrutement des membres est fait par cooptation et pratique des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. Formée de phénomènes historiques et sociaux très divers, elle semble apparaître en 1598 en Écosse, statut chaud, puis en Angleterre au XVIIe siècle. Elle prodigue un enseignement ésotérique progressif à l'aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, tout en laissant à chacun le soin d'interpréter ses textes. Sa vocation se veut universelle, bien que ses pratiques et ses modes d'organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques. N'entre pas en maçonnerie qui veut. Même s'il est possible de poser sa candidature, il faut y être invité. On peut envoyer une candidature spontanée à une loge. Elle sera traitée par un responsable de loge, un vénérable. Celui-ci va, généralement, désigner un frère qui va prendre contact. Si celui-ci considère que la candidature est sérieuse, il suscitera le parrainage de deux autres frères qui prendront contact avec le récipiendaire. C'est seulement après ces différentes rencontres et si on juge la candidature sérieuse que l'on vous proposera d'intégrer la loge. Le processus peut sembler obscur mais les maçons l'expliquent. C'est un endroit discret. Dans certains milieux, c'est dangereux et mal considéré. Je ne crois qu'il faille le crier sur tous les toits. On n'est pas encore sorti des moments où on risque quelque chose. Des gens qui regrettent peut-être le temps de Robespierre, ou en tout cas le temps de la Révolution française. La franc-maçonnerie est luciférienne.
Donc on va retrouver dans ce baudrier l'équerre et le compas, à l'intérieur duquel on va trouver la lettre G. Donc ça, c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Le plus étrange, c'est que ça n'était pas que physique, ça s'est accompagné d'un sentiment d'évidence de l'amour du Christ et de l'amour de Marie. J'ai vu un Christ en croix, et bien là, je peux vous assurer que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Une première dans l'histoire de la franc-maçonnerie au Congo, deux de ces trois loges sont désormais sous l'autorité de deux sécurocrates du régime de Mpila, originaires de la cuvette. Une grosse prise qui a pour unique but de renforcer leur emprise sur les francs-maçons du pays afin d'éviter des critiques contre le clan Sassou au pouvoir. En dehors de la Gossébé constituée en grande partie des opposants au régime et qui échappe au contrôle du régime après l'éviction du grand maître Marius Mouambéga et son remplacement par Donatien Kivuvu, les deux autres obédiences maçonniques du Congo ont été récupérées par le pouvoir de Brazzaville. C'est Jean-Dominique Okemba qui assure la présidence intérim de la GLC, Grande Loge du Congo, dont le grand maître n'est entre autres que Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. Philippe Obaraha, patron du CID, centrale d'intelligence du pays, qui a été initié par Jean-Dominique Okemba, vient d'être placé à la tête de l'autre obédience en qualité du grand maître pour la rapprocher du palais présidentiel et avoir un contrôle total sur ses membres. Au Congo, l'emprise de la GLC sur l'État est totale et en être membre est devenue une condition pour une promotion professionnelle. Par les loges, le clan Sassou entend avoir un contrôle sur les personnes placées à la tête de l'administration et surtout jouir de leur fidélité et soumission. Les frères ne se font pas du mal. Avec l'introduction de la sorcellerie africaine dans les loges, les sacrifices humains sont devenus une obligation ainsi que des rituels africains ayant un lien avec le sang humain. L'homosexualité aussi est devenue une forme de contrainte visant à créer un pouvoir de domination sur les initiés qui livrent leurs fesses. La Grande Loge du Congo, GLC, est une obédience maçonnique congolaise instituée par la Grande Loge Nationale Française, GNLF. En novembre 2002, le président congolais Sassou Nguesso est intronisé grand maître de la Grande Loge du Congo, GLC, par Jean-Charles Feulner, alors grand maître de la Grande Loge Nationale Française, GNLF. Au mois d'octobre 2003, ce sera au tour du chef de l'État d'initier un autre président, le centrafricain François Bozizé. Bien qu'elles proscrivent à la fois l'athéisme et le débat politique, les loges africaines dites régulières, dont la figure tutélaire est le président congolais Denis Sassou Nguesso, sont actuellement déchirées par les ambitions politiques de leur grand maître. Thank you.
Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.